Madame la Présidente des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, chère Madame Pinon, Monsieur le député de La Rochelle, cher Olivier, Mesdames, Messieurs les membres des associations patriotiques, Mesdames, Messieurs les filles et fils de déportés, cher Monsieur Gourin, Monsieur Bayot est avec nous, qui a été déporté, Madame la députée d'honneur, Monsieur le citoyen d'honneur de la ville de La Rochelle, Mesdames, Messieurs, mes chers amis, merci de votre présence pour l'inauguration de cette exposition intitulée « Lutetia 1945, le retour des déportés ». Je voudrais, Madame la Présidente, vous exprimer notre gratitude au nom du maire de La Rochelle et du conseil municipal pour ce devoir de mémoire. Nous avons fêté, ou plutôt, excusez-moi, nous avons commémoré le 27 janvier 2017 la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Le 27 janvier 1945, l'armée rouge pénètre à Auschwitz-Birkenau, le plus important des camps d'extermination nazis. Peu à peu, les autres camps vont être libérés. À Paris, les premiers convois des rescapés arrivent fin avril. Charles Palan, qui était déporté en 1945, disait « Je n'osais leur dire ce qu'était réellement passé à Auschwitz. » Comme tous ceux qui reviennent des camps, ils préfèrent se taire plutôt que tuer l'espoir des familles qui attendent jour et nuit le retour d'un proche au centre d'accueil de l'hôtel Lutetia. Gisèle Guillemot dira « Notre deuxième vie a commencé dans ce lieu. » Quand nous sommes rentrés, nous étions des matricules. Quand nous sommes sortis, nous étions revenus des citoyens. Nous sommes rassemblés dans cette salle pour honorer à travers cette exposition la mémoire des victimes de la déportation et de ses survivants et de leur retour en France par l'hôtel Lutetia. De transmettre aux jeunes générations l'horreur de cette idéologie mortifère qui renaît malheureusement de tous ses cendres. À chaque cérémonie que nous organisons, et à La Rochelle nous en organisons beaucoup, pas beaucoup mais suffisamment, 13 manifestations nationales, 10 associatives, à chaque manifestation je me pose la même question. Comment trouver les mots justes pour décrire l'horreur des camps de la mort? Comment les hommes ont-ils pu laisser faire l'inacceptable? Et pourtant, il est important que ces mots soient dits pour que cette partie de notre histoire commune reste présente à nos esprits et nous éclaire pour agir, pour que nous la puissions la transmettre à nos enfants. Alors les mots doivent être précis, nous permettre de rappeler les faits, même s'il nous renvoie à la plus radicale des perversions, la négation de l'humanité en l'être humain. Treblinka, Mauthausen, Dachau, Bergen-Belsen, Buchenwald, Sobibor, Auschwitz-Birkenau sont des noms maudits. Sont des noms effroyables où des millions d'êtres humains ont été assassinés. Dans ces camps de peine, de malheur, de tristesse, des millions d'hommes et de femmes et d'enfants, dont la très grande majorité était juive, mais aussi de nombreuses personnes simplement coupables de leurs différences. Tziganes, homosexuels, prisonniers politiques, résistants, patriotes, ont été assassinés, affamés, torturés, brisé et brûlé. Cela est difficile à entendre, mais c'est la vérité que nous devons préserver pour éviter qu'un tel génocide ne se reproduise. Ces mots douloureux, ces témoignages sont des perles rares que constituent les survivants.
Il faut les reprendre à notre compte. Pour que jamais les mots ne se perdent, pour que jamais la cruauté de la vérité ne s'atténue. La Shoah, la déportation est le résultat de l'obsession antisémite d'Hitler, de ce qu'était pour lui, selon lui, le danger juif, mais aussi de l'indifférence et du silence. Les nazis se sont appuyés sur les technologies de communication pour ancrer leur idéologie raciste et antisémite dans les esprits. La conquête du pouvoir et la mainmise sur tous les moyens d'information et de propagande leur ont permis de légitimer leur projet de domination sur la hiérarchie des races et le déni de l'unité du genre humain. L'histoire de la Shoah et de la déportation nous rappelle à quel point il y a des mots qui tuent. Elie Wiesel disait « Le bourreau tue deux fois. La première fois, quand il assassine, la seconde fois, quand on oublie la victime. » Il existe toujours des signes avant-coureurs de la tragédie, des discours qui s'affirment, d'autant plus haineux qu'ils restent sans réponse. Auschwitz incarne plus que tout la barbarie nazie. Ce système concentrationnaire fut l'instrument de la mise à mort programmée de centaines de milliers d'hommes et de femmes, à la fois camp de travail, camp de torture, camp de concentration, camp d'extermination. Toutes ces abominations avaient lieu au cœur de ces camps, constitués de blocs et de zones ayant chacun une propriété définie, du commandement à l'extermination, à la désinfection aux fosses communes. Ces blocs, dont la seule évocation suffit à nous remplir de terreur, renfermaient les pires atrocités que le monde ait connues. Mais je ne veux pas être long, je finirai juste par une réflexion de Simone Veil qui dit « Venu de tous les continents, croyants et non-croyants, nous appartenons tous à la même planète, à la communauté des hommes. Nous devons tous être vigilants et la défendre, non seulement contre les forces de la nature qui la menacent, mais encore davantage contre la folie des hommes. » Merci de votre attention. Merci à M. Chekroun de ce rappel de ce qu'ont été les déportations, qu'elles soient des déportations raciales ou des déportations de répression. Monsieur le député, Monsieur Chekroun, représentant Monsieur le maire de La Rochelle, Mesdames, Messieurs les élus, les représentants d'associations, chers amis, nous sommes très honorés d'être reçus en ce lieu, disons, prestigieux, et nous remercions vivement Monsieur le maire et ainsi que toute son équipe de son aide, de son écoute dans un premier lieu et de son aide. Cependant, avant de vous parler de l'exposition par elle-même, j'aimerais vous dire deux petits mots sur notre association. La Fondation pour la mémoire de la déportation et de l'internement, créée à l'initiative de la FNDIRP, Fédération nationale des déportés, internés, résistants, patriotes, et de l'UMIF, l'Union des mutuelles d'Île-de-France, est la plus ancienne des fondations de mémoire issues des faits tragiques de la Seconde Guerre mondiale. Notre première présidente nationale fut Marie-Claude Vaillant-Couturier, déportée à Auschwitz et Ravensbrück, et seule témoin femme au procès de Nuremberg. Depuis son décès, Marie-Jo Chambre-Delor, également grande résistante, déportée, assume cette charge. Les travaux de la Fondation pérennisent toutes les mémoires des personnes déportées dans les camps nazis ou dans les prisons du Reich, que ces mémoires soient celles de l'extermination des populations juives et tziganes, des répressions à l'encontre des résistants de l'intérieur ou de la France libre, otages, qu'ils soient communistes, sociodémocrates,
syndicalistes, militaires, religieux, témoins de Jéhovah, républicains espagnols, internés sur notre territoire. À ce sujet, n'oublions pas que le premier grand convoi parti de France à destination du Reich fut celui d'Angoulême, le 20 août 1940, avec environ 2000 personnes, hommes, femmes et enfants, tous espagnols, à destination de Mauthausen. Arrivés à Mauthausen, les femmes et les enfants sont remis dans les wagons et retournent, devinez où, en Espagne. Restent seulement 989 hommes à Mauthausen. La Fondation a créé en 1996 une association, loi 1901, dénommée les Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, association elle-même composée à ce jour de 78 délégations territoriales. Notre DT, c'est ainsi qu'on s'appelle entre nous, la DT 17, a été dans les toutes premières à adhérer à ce projet. Effectivement, il y a eu 20 ans, officiellement, début février, que notre délégation de Charente-Maritime a été créée. Nos actions ont été nombreuses et sont toujours, disons, très actives. Journée d'information, implication active et principalement dans le CNRD, Concours national de la résistance et de la déportation, enregistrement de témoignages, exposition, recherche, principalement aux archives départementales et aussi locales, dépose de plaques et aussi bien d'autres choses encore. Ces délégations territoriales répondent aux travaux demandés par la Fondation et de ce fait, par exemple, comme l'exposition de ce jour conçue par la délégation de Paris, viennent enrichir le patrimoine culturel, car ne l'oublions pas, l'AFMD, Association de mémoire, est aussi une association culturelle et de plus a reçu l'agrément du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Maintenant, je vais laisser parler Catherine Breton. Catherine Breton est la présidente de la délégation territoriale de Paris et qui est à l'initiative de l'exposition qui est dans cette pièce. L'exposition Lutetia 45, Le retour des déportés, qui s'appuie sur plus d'une centaine de documents souvent inédits, a voulu rendre hommage non seulement aux déportés, disparus ou survivants, mais aussi aux familles qui ont tant attendu, majoritairement en vain, et aux nombreuses associations et nombreux bénévoles qui ont tant œuvré, en particulier au Lutetia. En 1945, la tâche du ministère des prisonniers de guerre, déportés et réfugiés, dirigée par Henri Freinet, n'est pas simple. Il lui incombe de rapatrier en priorité les militaires, environ 1 million de prisonniers, de rapatrier les volontaires ou involontaires du STO. Il lui incombe aussi de rapatrier les déportés, et dans ce cas, le nombre est inconnu. Et il ne faut pas oublier que la guerre n'est pas terminée et qu'après la capitulation allemande, alors selon comme on le veut, le 7, le 8 ou le 9 mai, la guerre continue quand même à l'Est et au Japon. L'exposition aborde les différents aspects posés par l'accueil de tous ces survivants. Les rapatriements étalés sur plusieurs semaines se font par tous les moyens de transport, en avion pour les plus malades et les personnalités, par wagons de chemin de fer, wagons voyageurs, wagons à bestiaux, mais cette fois ouverts, comme les survivants l'ont souvent souligné. Dans un premier temps, on prévoit de rapatrier tout le monde à la gare d'Orsay. Mais rapidement, on s'aperçoit que les déportés posent problème, et pour cause. Outre le fait que depuis leur arrivée dans les camps, on leur a soustrait leurs papiers d'identité, ils n'étaient plus qu'un matricule. Ils sont malades physiquement et très souvent psychiquement. Certains reviennent avec comme seul vêtement leur pyjama rayé, et parfois aussi la vermine sur eux. Comment l'hôtel Lutetia a-t-il été choisi comme lieu de rapatriement à Paris? Sous l'impulsion de 3 résistants, Marie-Hélène Lefaucheux, Maxime Bloch-Mascard et André Veil, le général de Gaulle a été interpellé et ainsi a réquisitionné l'hôtel Lutetia
hôtel, disons, de prestige, mais aussi pendant l'occupation, siège de l'Abwehr, qui était donc le service des renseignements allemands pendant l'occupation, tout un symbole. L'exposition évoque donc l'organisation de cet hôtel pour accueillir les survivants pendant plus de 4 mois, du 26 avril au 1er septembre 1945. L'exposition évoque aussi l'encadrement, la mise en place de l'équipe médicale, l'équipe militaire chargée du contrôle des arrivants pour leur redonner leur identité et écarter les faux déportés, la mise en place des équipes chargées de l'intendance, hébergement, restauration, contact avec les familles, toutes ces équipes secondées par de nombreuses associations et bénévoles. Le logo de notre exposition que vous voyez derrière nous représente le badge, comme on dirait aujourd'hui, d'Annette Monod, assistante sociale qui passait des journées bien éprouvantes. Cet accueil au Lutetia a été une perspective du retour à la vie, comme le dira si bien, mais comme l'a rappelé également M. Chekoun, Gisèle Guillemot, citée dans notre travail. Notre deuxième vie a commencé là, dans ce lieu. Quand nous y sommes rentrés, nous n'étions que des matricules, mais en sortant, nous sommes redevenus des citoyens. Si le Lutetia fut un lieu de retour à la vie pour les rescapés, il fut aussi celui de la prise de conscience de l'ampleur de la tragédie humaine par la population et surtout par les familles venues, du moins celles de la région parisienne, aux nouvelles, en attente de leurs proches. L'attente des familles, des témoignages déportés, ont révélé à tous une situation inédite dans l'histoire de l'humanité. La destruction à grande échelle, programmée, réalisée de l'homme par d'autres hommes. Une seconde partie de l'exposition est consacrée à l'accueil des survivants étrangers. Les enfants juifs rescapés du camp de Buchenwald, sauvés par les déportés français. Les Polonais et les Républicains espagnols qui ne pouvaient rejoindre leur pays natal. Nous voulons rappeler ici que la France a été le pays d'Europe qui a accueilli le plus grand nombre de déportés étrangers. L'exposition évoque aussi l'accueil par la Suède de déportés, en particulier de Ravensbrück, accueil refusé par Marie-Claude Vaillant-Couturier et Adélaïde Haas-Odval, qui sont restés au camp pour soigner les malades jusqu'à la fin du rapatriement. Une dernière partie évoque les centres d'accueil associatifs créés par d'anciens résistants, car oui, l'amitié, la solidarité nouée pendant la résistance vont se poursuivre pour accueillir, soigner, aider les déportés dans leur réinsertion. Tel, on trouve le service central des déportés israélites, la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes, l'Association nationale des déportés et internés de la résistance, avec un panneau spécial sur Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle, entrée, comme chacun sait, au Panthéon avec Jean Zé et Pierre Brossolette en 2015. Le bilan, nous le connaissons. Environ 166 000 déportés partis de France, parmi lesquels 76 000 juifs, dont 11 000 enfants. Au total, 48 000 survivants et seulement parmi eux 3 000 juifs. D'après les estimations des chercheurs de notre fondation, un tiers des rapatriés a transité par le Lutetia. Cette exposition, créée en avril 2015, a déjà été présentée dans nombre de lieux et elle est réservée jusqu'en janvier 2018. À ce jour, elle a reçu près de 11 000 visiteurs. Oui, mais au moment où Catherine Breton l'a écrit. Elle a oublié tous les Charentais-Maritimes qui ont vu cette exposition depuis le 9 janvier. Et ils sont nombreux. L'exposition est accompagnée d'un site internet lutetia.info présentant l'ensemble de notre travail et où chacun peut s'inscrire à la newsletter pour être informé des différents lieux de présentation.
De témoignages vidéo, comme vous avez sur la gauche, présentés avec l'expo et sur le site lutetia.info. La FMD de Paris promeut aussi le long métrage de notre réalisateur des témoignages vidéo, le film Lutetia, le souvenir du retour, qui devrait, nous l'espérons, être dans quelques mois dans toutes les bonnes salles. Et un recueil de témoignages des personnalités connues et des déportés moins connus. Je voudrais conclure, et c'est toujours Catherine Breton qui parle, en reprenant une citation d'Adélaïde Haas-Odval, résistante déportée à Ravensbrück, évoquée dans cette exposition. Le national-socialisme n'est pas né d'une génération spontanée. Il est une synthèse diabolique, systématisée, hypnotisante et codifiée, pêchée dans les eaux troubles de la nature humaine présente en chacun d'entre nous. Il a su exploiter au maximum toutes les xénophobies, les forces des idées reçues, acceptées comme vraies, parce que tout un milieu le partage. Il est difficile de résister à une intoxication quotidienne de slogans, surtout s'ils sont assénés par le pouvoir en place, l'autorité suprême. Bien des gens de bonne foi s'y sont laissés prendre, et bien d'autres tomberont encore dans le piège. Notre histoire contemporaine démontre à quel point l'idéologie nazie reste vivante chez nous et ailleurs et ne demande qu'une occasion d'éclater au grand jour et de prendre le pouvoir. Merci à tous. Madame la Présidente, Monsieur l'élu représentant le maire de La Rochelle, Frédéric. Mesdames et messieurs, c'est un moment d'émotion important qui nous réunit ce soir, ici, dans cette salle de l'oratoire. Et je veux vous remercier, madame, et remercier tous les membres de l'association d'avoir permis aux Charentais-Maritimes, dans l'ensemble de ce département, de ce long département, de ce vaste département, d'avoir pu accéder à cette exposition si importante. Vous y avez consacré beaucoup de temps, je le sais. La dernière étape se situe ici à La Rochelle et avec Frédéric, qui l'a remarquablement exprimé tout à l'heure, nous voulons vous dire combien nous sommes fiers d'accueillir cette exposition qui est plus qu'une exposition, qui est plus qu'un témoignage, qui est un moment de vie, qui a marqué tant de Français à cette époque si difficile, un moment de vie qui était paradoxal, puisque, vous l'avez indiqué, c'était pour un certain nombre de déportés qui revenaient de l'horreur un retour à l'existence. Mais ce fut aussi, pour de nombreuses familles, trop nombreuses, la fin d'une espérance. La fin d'une espérance, celle de revoir rentrer leurs maris, leurs femmes, leurs enfants, leurs proches. Et c'était tout le paradoxe de ces moments particuliers. Dans cet hôtel Lutetia, effectivement, qui a été en occupation un lieu symbole de cette occupation barbare dans le Paris occupé. Et ce moment-là fut un moment particulièrement douloureux, parce que même ceux qui rentraient étaient marqués par l'horreur qu'ils avaient subie et aussi marqués par le désespoir de tous ceux qui attendaient de voir revenir leurs proches, qui regardaient les listes et qui ne voyaient pas l'être cher qu'ils avaient tant attendu. Alors, je crois qu'il est effectivement particulièrement important de se rappeler, parce que c'est vrai que la période qui a succédé à la libération des camps n'a pas forcément tout de suite révélé la réalité de ce qu'avaient vécu les déportés. Et je le fais en votre présence, monsieur, tant vous avez œuvré justement pour que l'indicible soit connu. Et il est toujours extrêmement difficile de mettre des mots sur l'indicible. Et je sais que beaucoup d'hommes et de femmes, comme vous, monsieur,
lorsqu'ils ont été libérés, n'ont pas pu tout de suite parler, n'ont pas pu tout de suite exprimer ce qu'ils avaient vécu. Parfois, je le sais, par peur de ne pas être cru. Par peur aussi de ne pas rajouter de l'horreur à l'horreur. Et puis, au fil du temps, dans une France probablement trop préoccupée par sa reconstruction, et ne voulant pas, et je le dis toujours, ouvrir les yeux sur la réalité de la déportation, et le rôle de la France, de l'État français, dans cette déportation, qu'a reconnu à juste raison le président de la République Jacques Chirac en 1995. Pour toutes ces raisons, il a fallu du temps pour savoir. Mais avec un courage considérable, un grand nombre de déportés a décidé de parler, a décidé de transmettre, et beaucoup sont allés particulièrement dans les établissements scolaires. Je sais que vous l'avez fait et que vous le faites, et en tant qu'ancien enseignant, en tant qu'enseignant tout court, j'ai pu mesurer, ayant permis aussi l'expression de ces témoignages dans certaines classes, combien rien ne remplace à un cours le témoignage humain de ceux qui, pendant tant d'années, n'ont pas non plus été considérés comme des humains, mais comme des numéros. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous ne sommes pas uniquement dans un exercice de mémoire. Nous sommes ici, aujourd'hui, dans une affirmation citoyenne. Vous l'avez dit, madame la présidente, l'histoire ne se répète jamais, mais parfois elle bégaye. Et le ventre de la bête immonde reste toujours fécond. Alors, grâce à cette exposition, grâce à votre engagement, grâce à votre travail au quotidien, eh bien, vous répondez à la citation qu'a fait Frédéric Checroun tout à l'heure, que j'ai trouvée magnifique, celle d'Elie Wiesel, comme quoi les bourreaux tuent deux fois. Eh bien, grâce à vous, grâce à tout ce que vous faites, les bourreaux ne pourront pas tuer deux fois. Parce que nous n'oublierons pas tous ces déportés. Et grâce à vous, grâce à tous ceux qui ont témoigné, qui témoigneront et qui transmettront le jour où ils ne seront plus là, à travers leurs écrits, à travers leurs témoignages vidéo, eh bien, nous serons peut-être un peu plus certains de ne pas voir se reproduire l'abomination qu'a connue notre monde, notre civilisation, et j'utilise à dessein le mot civilisation, qui à un moment a connu l'extermination d'humains par les nazis. Alors, madame, messieurs, je veux vous remercier du fond du cœur pour votre action, pour cette formidable exposition, et je souhaite que longtemps encore, ce travail de mémoire puisse perdurer, et tout particulièrement dans notre beau département de la Charente-Maritime. Merci. Mesdames, Messieurs, la ville de La Rochelle vous invite à un verre de l'amitié. Juste derrière. Et on se bat pour ça, on explique ce qui s'est passé avant.
Et puis, un petit peu les parallèles. Voilà, ça on l'explique, et voilà, merci pour tout ça. Merci tout le monde. Oui, oui, c'est sûr. C'est très dur pour tout le monde. Oui, oui. Et les élèves, pour accompagner M. Bayot dans les collèges et les lycées, on peut dire que les élèves sont très friands de cette période, très attentifs, très, très attentifs à ça. Et je pense qu'ils sortent pas indemnes de... Non. Je l'ai vécu comme enseignant. Il y a une graine qui est semée quand même. Il y a une graine. Ouais. Et je dois vous dire que cet après-midi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Trois femmes arrivent, et puis j'y vais, on se présente naturellement. Et la jeune, il y avait une jeune femme avec deux personnes un peu plus âgées, et elle traduisait. J'ai compris que c'était de l'allemand. Alors je lui dis, vous traduisez de l'allemand? Elle me dit oui, oui, oui. Et puis on continue encore à parler quelques minutes, et en fin de compte, c'était la mère, c'était la fille allemande, sa mère et une autre personne. D'accord. Et on a parlé de cette période-là. Voilà. Et je dois dire que ce qu'on savait déjà, là, elle l'a confirmé, le fait qu'en Allemagne, les élèves sont plus en avance que nous, au point de vue éducation nationale, dans le devoir de mémoire. Parce que cette jeune fille, qui avait peut-être une vingtaine d'années, avait déjà visité deux camps. Et qu'en France, on ne le fait pas. Voilà. La fois qu'on avait été au Struthof, on avait été visiter la chambre à gaz du Struthof. C'est une petite chambre à gaz au Struthof. Pardon. J'ai eu l'occasion d'aller... Je vois un car arriver, un car allemand. Alors j'ai eu l'occasion d'aller voir le chauffeur qui parlait un peu le français. Et je lui pose la question. Je lui dis, bon, vous êtes allemand, vous venez visiter ça, enfin, etc. De manière à savoir un petit peu son comportement. Et il m'a répondu, monsieur, en Allemagne, les élèves de 3e, c'est obligatoire, doivent visiter un camp de concentration. Obligatoire. Ce que la jeune fille m'a confirmé tout à l'heure. En France, on est loin du compte. Oh. Elles sont restées ici au moins une demi-heure. Elles ont regardé les panneaux. Naturellement, elles ne parlaient pas le français. La jeune fille traduisait. Bon, je leur ai dit qu'elle n'était pas responsable. Elle n'était pas responsable, quoi. Voilà. Et qu'on ne savait pas, nous, ce qu'on aurait pu faire à l'époque, ou si ça se produisait, ce que l'on ferait. Et franchement, j'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà. Et des tous les gens qui viennent, ce sont des témoignages positifs, et voilà. On n'a que ça, et énormément de questions. On a même été satisfaits de trouver des familles, des personnes ont retrouvé des déportés dans nos mémoriaux, là. On a nos cartes de mémoriaux. Bon, voilà, on en a retrouvé. Ils sont partis, il a fallu faire des photocopies avec l'histoire du convoi. Ils ne connaissaient pas, enfin, ils savaient qu'ils avaient été déportés, ils ne connaissaient pas. Franchement, c'est... Ils sont morts grâce à nos archives, là. Oui, alors ça concerne la première adjointe du château de Léron. Elle savait qu'elle avait un oncle ou un cousin qui était religieux d'ailleurs, qui était mort en camp, on ne savait pas où. Puis ça c'était, disons, dans la famille, on n'en parlait plus, quoi. On a recherché, on a trouvé, il était mort. Il était mort à Nordhausen, dans un commando. Mais il ne le savait pas, rien. Elle a été à le savoir. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a mis comme témoignage. Voilà. Voilà. C'est une belle exposition qui est très émouvante. Et effectivement, donc la participation peut-être... Bien de l'éducation nationale est à demander peut-être. Peut-être que vous allez faire un appel. Participation d'éducation nationale. Moi, je veux dire un petit peu ce que je pense. Je pense qu'on demande beaucoup de choses à l'éducation nationale, peut-être. Et principalement sur le devoir de mémoire. Parce que on les fait travailler sur 14-18, on les fait travailler sur autre chose. Bon, après, on va les faire travailler ce qui est très bien aussi, sur la citoyenneté, sur tout ça. Bon, je pense que c'est... Ça vient en dehors des cours, ça, quand même. C'est, je pense, si vous confirmez. Donc, voilà. Donc, Avec aussi des démarches personnelles, peut-être. Oui, il y a beaucoup de démarches personnelles. Et dans nos expositions, on a eu beaucoup d'élèves qui font le concours cette année à venir et prendre des notes. Et voilà. Non, il y a beaucoup de démarches personnelles de la part des élèves aussi. Mais c'est quand même un travail quand même assez...
considérable. Voilà. Et là, le concours Merci. De la résistance, il se passe bien ? Apparemment, oui. Oui, je crois qu'il faudrait demander à Nicole Pou, si elle veut vous en parler, oui, elle est là. Oui. Elle pourrait vous en parler un petit peu plus. Il y a plus plus d'établissements que l'année dernière d'inscrits pour cette année. Hein. Voilà. Mais vraiment, avec les profs qu'on rencontre dans les collèges, quand on va témoigner, dans les collèges, les lycées aussi, vraiment, c'est des profs qui sont très impliqués et qui font tout ce qu'il faut pour faire comprendre aux élèves. Et d'abord, ils nous apportent une aide. On est reçus comme, on peut dire, comme des rois, hein, dedans les collèges. Merci beaucoup. Merci, monsieur.